Bonjour chers auditeurs, nous nous trouvons aujourd'hui ce dimanche 20 novembre au foyer d'accueil médicalisé et spécialisé Les Apogées à Marino. Ce foyer fait partie de l'association l'APEI. Se déroule aujourd'hui le marché de Noël annuel du foyer. Au rendez-vous vin chaud, café, gâteau, mais également des décorations fabriquées par les résidents eux-mêmes. Nous sommes allés à la rencontre de Fabien Mseraki, directeur de l'établissement. Bonjour à tous, donc je suis Fabien Mseraki, je suis le directeur du FAS Femmes Les Apogées à Forbach. Donc un foyer qui accueille 62 résidents en situation de handicap mental, répartis sur 3 unités, une unité autiste, un foyer d'accueil médicalisé traditionnel et un foyer d'accueil spécialisé. Donc on a organisé un marché de Noël dans le but de pouvoir, d'une part, après 2 années compliquées en lien avec la période Covid, donc organiser ce marché de Noël pour réunir un petit peu nos amis, nos familles, nos partenaires. Et le but de ce marché de Noël aussi, c'est de pouvoir aussi rassembler les équipes autour d'un but commun. Et je tenais à dire que l'ensemble des bénéfices de ce marché de Noël seront directement reversés à la vie sociale des résidents pour pouvoir leur permettre de faire des activités supplémentaires ou de mettre tout simplement du beurre dans les épinards. Donc c'est important aujourd'hui de pouvoir un petit peu relayer cet événement pour sensibiliser tout le monde au monde du handicap. Et voilà, on est, je le rappelle et pour terminer, un foyer qui est ouvert sur l'extérieur. Et notre but aussi, c'est de montrer ce qu'on fait à l'intérieur des établissements. C'est aussi ça le but de cette journée d'aujourd'hui.